Alors, l'idée de travailler autour de Don Quichotte remonte à une dizaine d'années. J'avais ça sous le coude depuis assez longtemps. C'est après, juste après avoir vu le documentaire de Pepe et Fulton sur le tournage avorté de Terry Gilliam, le tournage de son Don Quichotte, donc qui a lamentablement foiré, dans lequel Jean Rochefort devait et aurait fait un Don Quichotte absolument fantastique et inoubliable. Il y avait Johnny Depp qui faisait Sancho Panza, enfin bon voilà, et ce projet a tourné court. Terry Gilliam s'en reparle de temps en temps d'ailleurs, mais bon, c'est devenu une espèce de serpent de mer cette histoire. Bref, et sortant de cette projection, donc j'étais très 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 fasciné et désireux d'en savoir un peu plus sur Don Quichotte, donc j'ai lu. Les deux tomes, c'est quand même 2 fois 900 pages. J'ai pris beaucoup de notes dans un cahier d'écolier en me disant je vais faire une adaptation de Don Quichotte. Et très vite est venue l'idée de faire un Don Quichotte contemporain, parce que déjà il y a 8-10 ans, je trouvais qu'il y avait dans nos sociétés des inquisitions, des formes d'inquisition qui n'étaient pas sans rappeler, sans évoquer les inquisitions les inquisitions qu'on trouvait en Espagne au 15e, 16e siècle et aussi dans d'autres pays d'Europe. Mais voilà, j'ai gardé ça dans un tiroir. Entre-temps, j'ai fait d'autres bouquins. Et puis, il y a 2 ans et demi, je suis parti en voyage dans l'Ouest américain. Et j'en suis revenu fasciné, avec une envie très forte de dessiner l'Amérique. Et à ce moment-là, les deux désirs se sont télescopés. Je me suis dit, ben voilà, mon Don Quichotte contemporain, son cadre, le cadre de cette histoire va être les États-Unis d'aujourd'hui. D'où le bouquin qu'on a aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui. Ce que j'ai voulu faire, c'est aussi tirer une sonnette d'alarme. Je ne suis pas le premier à parler de ça. C'est presque enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui que d'attirer l'attention sur les travers de l'ultralibéralisme et tous les laissés-pour-compte de ces dérives. Je suis sans doute pas le premier à évoquer les manipulations, la surveillance comportementale dont on est l'objet, surveillance de nos consciences, etc., à travers Internet, à travers le retour du religieux. Je suis le premier à parler des dérives absolument ahurissantes du capitalisme et de l'ultra-capitalisme, mais je crois qu'il faut en parler. Voilà, en bande dessinée, après tout, c'est pas si courant que des auteurs de bande dessinée parlent de ça. Et moi, depuis toujours, j'essaye de pratiquer une bande dessinée. Comment dire, utile entre guillemets, à travers laquelle j'évoque des problèmes qui me tiennent à cœur. Voilà. Et mon livre autour de Cervantes et autour du Don Quichottisme est une énième nouvelle sonnette d'alarme sur toutes ces dérives auxquelles nous assistons. Et si on n'y prend pas garde, on se fait bouffer petit à petit. Oui, alors je me suis documenté. Bon, mon personnage revient avec un bras coupé, donc je me suis documenté sur la problématique de la personne qui est amputée d'un membre, après tout ce qui est de l'ordre des prothèses, etc. Bon, comment ça marche, pourquoi ça fonctionne, comment ça peut fonctionner, s'adapter à ça. Ça, je ne pouvais pas le traiter de manière légère, parce que ça conditionne quand même le comportement de mon personnage par la suite. Bon. Bon, j'ai aussi lu, évidemment, même si je ne m'étends pas là-dessus, j'ai lu plusieurs romans, je suis allé sur Internet, plusieurs études sur le retour difficile de tous ces vétérans des guerres américaines depuis le Vietnam qui reviennent complètement traumatisés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, et qui fait que beaucoup d'entre eux sont des personnages un peu asociaux, un peu en marge, qui s'oublient dans la consommation d'alcool, de drogue, etc., ou qui ont des tendances suicidaires, ou qui peuvent avoir aussi des tendances meurtrières, etc. Toutes ces dérives sont le résultat de ce qu'ils ont vécu. Donc là-dessus, je me suis évidemment documenté. C'est ce qui m'intéresse aussi
dans ma pratique de la bande dessinée, et notamment dans le fait de travailler seul, c'est qu'en amont du travail de dessinateur, il y a un travail d'enquêteur, où il y a un travail en tout cas de lecture, il y a un travail de presque journalistique. Voilà, j'accumule beaucoup de documents, j'essaye d'accumuler des connaissances. Voilà, j'ai des tas de bouquins avec des marque-pages, des post-it et tout. Beaucoup de choses ne me servent pas quand je passe à l'acte. Passer à l'acte, c'est dessiner, commencer à dessiner. Mais voilà, en amont, il y a tout ça dont je me suis nourri, et cette nourriture, j'en ai besoin pour la transmettre dans mon dessin. Mon propos, ça sera d'autant plus fort, mon propos graphique, qu'il a été nourri en amont de tout cela. Mais Gustave Doré est déjà un précurseur de la bande dessinée, on le sait peu, mais il a commis 3 ou 4 albums de bande dessinée avec une narration par l'image. Pour moi, Gustave Doré, c'est la plus grande réussite sur le plan graphique. C'est la plus grande réussite en termes pour ce qui est d'illustrer Don Quichotte. Personne n'a fait mieux avant lui et personne après lui. Il y a eu des illustrations ici ou là, mais c'est excessivement fort. Et visuellement, comme les tentatives cinématographiques n'ont pas abouti, que ce soit celle de Terry Gilliam ou plus loin dans le temps, dans les années 60, celle d'Orson Welles. Le Don Quichotte qu'a fait Jacques Brel sur scène dans les années 70-80, je ne sais plus trop, peut-être plutôt les années 80, n'a jamais été filmé entièrement, donc on n'en connaît que des on n'en a qu'une vision parcellaire, donc visuellement on a peu de choses sur le Don Quichottisme. Et ce qui est le plus complet, le plus élaboré, le plus abouti, c'est la version illustrée de Gustave Doré. Donc je pouvais pas faire l'économie de cette évocation visuelle. Et j'ai intégré dans mon livre 3 ou 4 incrustations des images de Gustave Doré, qui est un peu un co-dessinateur avec moi. Je ne lui en ai pas demandé l'autorisation, mais bon, j'imagine qu'il aurait été ravi d'être dans un album de bande dessinée. Je voulais déstabiliser. Parce que pour moi, le roman de Don Quichotte est déstabilisant. Don Quichotte est un personnage instable. Don Quichotte est un peu fou. Il part à l'assaut de citadelles sans arrêt. Il prend des coups, il s'en relève, il repart. Parce que bon, il est imprégné de ces romans de chevalerie qui ont été sa nourriture spirituelle. Ce que les inquisiteurs de l'époque, et notamment le curé du village, lui reprochent fortement, à tel point qu'on lui brûle certains de ses livres de chevalerie, ce qui le met terriblement en colère et qui participe à son départ sur les routes de l'aventure, sur les chemins de l'aventure. Et donc, il y a ce côté très déstabilisé dans le personnage, et finalement, quand on lit Don Quichotte, on est un peu déstabilisé. Et je voulais volontairement, dès le départ, embarquer le lecteur sur une fausse piste. Et mon personnage a un travail. Ça, je l'ai vu là-bas aux États-Unis, dans un village de western reconstitué, qui est d'ailleurs le village que je dessine en partie. Je ne me rappelle plus comment s'appelle ce patelin, mais il existe. Et mon personnage a un travail de cow-boy pour touriste dans un patelin comme ça, où il se balade habillé en cow-boy, et de temps en temps, il y a des faux duels dans les rues, avec des pistolets chargés à blanc, etc. Donc il y avait ce désir. Et la toute première image est très symbolique. On a un gros plan sur des mains qui roulent une cigarette. Et pourquoi je montre ça? C'est parce que par la suite, il ne pourra plus jamais faire ce geste, vu qu'il va être amputé d'une main. Donc c'est peut-être une des dernières fois où il peut se rouler une cigarette. Eh bien, au départ, donc, comme je l'ai dit précédemment, ça devait être une adaptation de Don Quichotte. Mais avant d'attaquer, il y a un moment donné, je me suis intéressé à Miguel de Cervantes, à l'auteur, que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais rien de sa vie. Et j'ai découvert avec énormément de stupeur et avec énormément de gourmandise en même temps que c'était un personnage très romanesque. Et je me suis dit, je ne peux pas
passer outre, il faut que je m'empare aussi de Miguel de Cervantes. Non pas raconter la vie de Miguel de Cervantes, parce que je voulais faire quelque chose autour du donquichottisme. Donc ça ne pouvait pas être que Miguel de Cervantes. Mais finalement, Don Quichotte est un double de papier de Miguel de Cervantes. Si Don Quichotte est comme il est et est ce qu'il est, c'est parce que son auteur, Miguel de Cervantes, a eu une vie très romanesque et une vie de déboires et d'aventures malheureuses. Bon, il a perdu l'usage d'un bras dans une bataille navale contre les Turcs, à Lépante, en 1571. Après, il a été prisonnier des Arabes à Alger pendant 5 ans. Il a fait 4 tentatives d'évasion. À chaque fois, il est repris, il est tabassé, il manque d'être tué. Bon, il est enfermé dans des cachots encore plus sordides. Bon, c'est très long, 5 ans, à cette époque-là. Au 15e, 16e siècle, en Orient, à Alger. Bon, après, il finit par être libéré, il rentre en Espagne, mais il se retrouvera plusieurs fois en prison parce que on lui reproche des malversations, parce qu'il était collecteur d'impôts pour le roi Philippe II, mais il a confié l'argent du contribuable à un banquier indélicat. Bon, du coup, il se retrouve plus ou moins embringué dans une affaire dont on ne connaît pas trop, au fond, quelles sont ses responsabilités réelles. Après, sur ordre de Philippe II, il réquisitionne du blé pour l'invincible armada, mais il s'avère que c'est du blé appartenant à l'Église, donc il est excommunié, il est mis en prison à nouveau. Bon, il a quand même globalement vécu dans une certaine misère financière, il a eu des problèmes conjugaux, et voilà, il a eu une vie très difficile, l'auteur de Don Quichotte. Donc il ne faut pas s'étonner si Don Quichotte a un parcours très difficile. Et ça, je voulais évoquer Miguel de Cervantes. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup dessiné Miguel de Cervantes. Et à la limite, j'ai davantage tracé un portrait en creux de Miguel de Cervantes qu'un portrait de Don Quichotte. En fait, elle a un but, cette violence, c'est de montrer dans quelles circonstances Mike Cervantes perd un bras et revient donc de cette campagne en Afghanistan, revient traumatisé. Hein. Bon. Après, il y a la rencontre avec le créateur de Don Quichotte, qui se fait par l'intermédiaire de la lecture en prison, et il découvre à quel point leurs parcours sont similaires. Et à la limite, peut-être qu'il peut lui passer par la tête l'idée à ce moment-là d'écrire à nouveau un Don Quichotte contemporain. Mais Don Quichotte a déjà été écrit. Don Quichotte existe déjà. Donc à quoi bon le réécrire? Par contre, pourquoi pas en endosser le rôle? Pourquoi pas devenir un Don Quichotte? Ce qui va se produire après, quand il sort de prison. Il se trouve qu'il a un emploi de bibliothécaire, un emploi de réinsertion. Il est libéré. Bon, en prison, il s'occupait de livres, de la bibliothèque, et donc il a un emploi de bibliothécaire dans une grande bibliothèque de San Francisco. Mais il se retrouve brutalement confronté à un problème de censure. Censure sur certains livres qui existent aujourd'hui aux États-Unis. Et tous les livres que je cite dans le dialogue entre les deux Cervantes qui sont censurés, qui font que Mike Cervantes, à un moment donné, trouve ça insupportable d'être le bras armé de la censure, parce que le conservateur de la bibliothèque lui ordonne de retirer ses ouvrages des étagères et d'aller les mettre dans un coin de la cave. Ça, c'est insupportable pour lui. Et c'est une forme d'inquisition, cette censure-là. Et c'est une forme d'inquisition qu'a connue aussi Miguel de Cervantes, à travers ses romans de chevalerie qui étaient mis au banc de la société, par l'Église notamment, par toute une société bien pensante de l'époque qui ne voulait pas qu'on aille vers trop de fantaisie à travers les lectures. Parce que, penser différemment, ce métissage que l'Espagne connaissait, qui était un métissage de la société où il y avait beaucoup, toutes les religions étaient mélangées, mais il y avait aussi beaucoup de morts en Espagne, il y avait, bon, etc. Ce métissage physique, on n'en veut pas plus que le métissage de la pensée. S'il y a trop de collusion entre toutes ces pensées qui viennent de toutes les directions, c'est beaucoup plus dur pour l'Église de gérer et de contrôler.
J'ai une vision, oui, j'ai une vision un peu globale de ce que ça va être au départ, mais ça s'est étiré sur presque 2 ans et demi. Donc c'est long. Et en 2 ans et demi, disons que je savais d'où je partais, je savais grosso modo de quoi je voulais parler, et je savais comment ça se finirait, parce que je voulais finir par New York et par l'intervention de King Kong, qui pour moi est un espèce de Cervantes perdu dans New York. Un espèce de Don Quichotte, en tout cas. King Kong, c'est Don Quichotte aussi. Sa Dulcinée, c'est cette petite blonde qui tient dans sa main amoureusement. Voilà, mais entre ce point de départ et ce point d'arrivée, il y a des points de passage que j'avais prévus et que j'ai empruntés, et d'autres que j'avais prévus mais que j'ai laissés de côté. C'est obligé, parce que pendant 2 ans, j'ai continué à lire des bouquins. À voir des films, à voir des documentaires, à écouter des émissions de radio, à lire certains articles dans les journaux, à lire certains blogs sur Internet de gens qui m'intéressent et qui pensent la société d'aujourd'hui. Donc tout ça, ça me nourrit. Et il y a eu des moments où je me suis dit, tiens, ouais, mais ça, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vais en parler. Et j'ai d'autant plus de liberté pour faire évoluer les choses, c'est que je pars sans construire trop en amont. C'est-à-dire que je n'établis pas de storyboard, je n'établis pas de chemin de fer sur ce que je vais faire. Je ne travaille qu'à partir de mon seul synopsis. Là, j'avais un synopsis qui faisait 10 ou 12 pages, à peine dialogué, et je ne démarre qu'avec ça. Ça veut dire que quand je démarre la page 1, je sais à peu près ce qu'il y aura sur la 2, mais pas forcément ce qu'il y aura sur la 3. Et encore moins ce qu'il y aura sur la page 100. C'est un travail sans filet, mais que j'adore. J'adore travailler au page à page comme ça et découvrir chaque matin, en retournant dans mon atelier, ce que j'ai fait la veille, et arriver dans mon atelier en ne sachant pas forcément ce que je vais faire, ou en tout cas pas de façon précise. Bah tant pis, voilà, je finis toujours par trouver, et puis bah, si je trouve pas immédiatement, je pars me balader à pied ou en vélo, prendre l'air, et puis ça finit par... Je finis toujours par retomber sur mes pattes. Oui, alors ça, c'est le hasard, c'est le fruit du hasard. C'est-à-dire que je voulais travailler en noir et blanc, parce que j'ai peu eu l'occasion de le faire et travailler le noir et blanc m'intéressait. Peut-être aussi pour le radicalisme du procédé, comme je voulais avoir un propos assez radical, je voulais pas trop de l'enluminure de la couleur. Et donc, mais je voulais travailler avec des lavis, c'est-à-dire avec des dégradés. Et en fait, quand j'ai testé les encres, les bouteilles d'encre que j'avais achetées, de différentes marques, je me suis rendu compte que la dilution avec l'eau, donc ce qui permet d'obtenir des lavis plus ou moins clairs, libérait selon les marques des pigments différents, hein, des pigments un peu rougeâtres, parfois, ou verdâtres, ou brunâtres. Ça dépend de la fabrication des encres finalement. Et donc, dans un premier temps, j'ai regretté ça. Je me suis dit, ça va être compliqué, ça va, je peux plus faire du noir et blanc. Et puis, finalement, j'ai très vite rebondi là-dessus en me disant, mais au contraire, c'est parfait. Ça va me donner quelque chose d'un peu inhabituel, des gris légèrement colorés, et je vais pouvoir m'en servir de ces colorations. Et m'en servir comment? Notamment à travers l'évocation des deux périodes du XVIe siècle et de la période contemporaine. Pour ce qui est de la période contemporaine, j'ai utilisé les encres qui libéraient des pigments vert-brun. Et pour la période du XVIe siècle, de Miguel de Cervantes, j'ai utilisé l'encre qui me libérait des pigments rougeâtres. Ce qui fait que ces gris colorés deviennent un peu plus signifiants. Le lecteur se rend compte de manière instantanée dans quel moment du récit il est. Et puis ça me donnait des résultats amusants quand mes deux Cervantes se rencontrent. Il y en a un qui est dans les gris rouges de son époque, et l'autre qui est dans les gris verts d'aujourd'hui. Et donc ça produit un télescopage visuel des deux époques. Je retiens un compagnonnage avec ces personnages qui a été très très positif, et j'ai été habité très très fort par ce livre pendant 2 ans et demi, et c'est une superbe aventure. Vraiment, je ne regrette rien, et j'étais content d'arriver au bout, parce que bon, j'avais franchi la ligne d'arrivée et coupé le ruban d'arrivée, mais en même temps, je me suis retrouvé pendant quelque temps et un peu orphelin de ces personnages, ce qui est au fond tout à fait normal. Je te remercie. Merci.